Avril, c'est un groupe agroalimentaire qui part de la graine jusqu'à l'assiette. Donc, il fait à la fois de l'huile, puisqu'on est dans les huiles et les protéines, de l'huile alimentaire, mais qui aussi, par rapport à l'huile, fait un certain nombre de produits, le biocarburant, et puis la chimie de l'huile. Donc, tout ce qui est renouvelable. Et peut-être, vous ne le savez pas, mais à partir de l'huile, on fait à peu près tous les produits qu'on peut faire à partir du pétrole. Et donc, nous sommes le leader européen de la chimie de l'huile. Pourquoi je suis ici sur ce séminaire sur la diversité ? Parce que je pense que la diversité, on en parle beaucoup, surtout par rapport au genre, mais je pense que la diversité doit être regardée sur différents angles, notamment intégration des jeunes, notamment parcours différencié, notamment travail sur le handicap. Donc je voulais apporter ces témoignages. J'étais très heureux d'être invité et j'ai assisté à des débats de très grande qualité. La chimie, c'est une vieille science, hein, finalement, par rapport à certaines nouvelles qui sont apparues plus récemment. Et pourtant, c'est une science d'avenir. Je parlais tout à l'heure de l'oléochimie, la chimie de l'huile. Ça n'a pas beaucoup d'années et on est en train d'ouvrir, et on vient de déposer d'ailleurs, le nom de protéochimie, la chimie des protéines. Encore un nouveau champ qui vient de s'ouvrir. Donc on a ici en France des compétences, on a des savoir-faire, on ouvre des centres de recherche, on a de l'innovation et donc on a d'excellents ingénieurs. Et donc il y a plein de places à pourvoir dans ces groupes français, mais aussi internationaux, pour avoir des parcours qui peuvent démarrer dans les centres de recherche en France et qui peuvent avoir aussi... je dirais des parcours complètement internationaux. Moi, je pense que si c'est des élèves de l'école de chimie qui me regardent, ils ont une grande chance d'abord d'être dans une excellente école et qu'ils ont plein de chances parce qu'ils vont trouver énormément de jobs à leur sortie.